Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve sur les Sims 3, sur Xbox 360. Ça fait un petit moment que je vais vous faire une vidéo sur les Sims 3. Je suis un grand fan des Sims, en tout cas du premier. D'ailleurs je crois que je les ai quasiment tous en boîte sur PC. Voilà, j'ai vachement joué à les Sims en vacances, Animaux et compagnie, juste magnifique cet add-on. Voilà ce disque additionnel. Et donc là on se retrouve sur les Sims 3 version Xbox 360. Et bah voilà, j'y ai déjà un peu joué il y a 1000 ans quand il était sorti. Je l'ai retrouvé en vide-grenier il y a encore 1000 ans. Et du coup bah, je décide d'y jouer. Je crois que j'ai déjà une partie, mais on va refaire un perso, on va refaire une famille. On va s'amuser. Je sais pas où ça va nous mener cette vidéo à la con, mais on va s'amuser. Voilà, disque dur, c'est parti. Oui, pour ça, j'ai sorti le verre Bacardi, bon, bah, c'est parce que j'ai que ça comme verre un peu stylé. La duvel, puisqu'il me reste un peu de duvel au frais. Voilà, donc on va se servir un godet avant de se lancer dans le jeu. En essayant de pas trop la faire mousser, la radasse. Parce que la duvel, ça mousse vénère. Voilà. Une petite chope. Donc voilà, la duvel, hein, c'est vraiment la meilleure bière du monde. Pour moi, c'est ma bière préférée. Hein. Vous le savez. Santé à vous, les gars. Ah, elle est vraiment bonne. Je parle de la bière, évidemment, pas de ta mère. Bon, allez, c'est parti. Jouer. Eh ben, non, pas option. On s'en branle, on s'en branle. On s'en branle. Jouer. Allez. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, on verra bien. Nouvelle partie. Entrez un nom pour votre partie sauvegardée. On va s'appeler. On va s'appeler Sid. Hop. J'aurais pu m'appeler Toto, mais bon. Alors, qu'est-ce que tu branles? Eh ben, Sid alors. Confirmé. Ah, X, d'accord. Excusez-moi. Le fichier de sauvegarde existe déjà. Souhaitez-vous vraiment l'écraser? Tout à fait, on s'en bat les couilles. Let's go. Alors, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va se faire. Je vais me faire moi. Je vais essayer de me faire moi. Et je vais me faire une gonze ou deux gonzes. Allez, on va se faire une Ellen Page. Et puis. Mais voilà, je sais pas. On va s'amuser. Vraiment, je pense que ça va vraiment être très très drôle. Ok, créer des Sims, choisir un foyer, on s'en branle. On va d'abord créer des Sims. Alors évidemment, je ferai plein de coupures et tout pour que ce soit vachement plus sympa pour vous. Plutôt que de faire un truc qui dure 2 heures où je suis en train de choisir le nez de la personne. Voilà, ça va être un peu chiant, donc on va essayer de faire un truc au top, aux petits oignons, comme on dit. Ok, donc, déjà, c'est quoi cette gueule? C'est quoi cette gueule qu'on a de base, les mecs? Je suis pas d'accord, moi. Ok. Base. Albin, pas du tout, Albin Blanchon, putain mais ça fait pas rêver mon gars, moi je veux un truc qui bouge, on va s'appeler Hector Sid, nous sommes un mâle, jeune adulte, non on est, malheureusement nous sommes un jeune adulte, voilà, donc c'est très bien, base, est-ce qu'on est bon, c'est très bien, style, alors coiffure de base, bon on va faire une coupe de cheveux à la con. Moi déjà il y a un truc qui me perturbe, je suis désolé hein. Je sais que ça peut être un petit peu bizarre de dire ça. Il y a vraiment un truc qui me gêne. Comment on fait pas un négro là? Parce que je sais rien contre les noirs, attention, mais là... style peut-être. Mais non mais il me fait un noir de base le mec. Peau et corps, oh putain. Ah voilà. Ah d'accord. Ah. Parce que moi je suis pas noir, donc ça me... Ah par contre il est blanc comme un fion. Alors on va se faire un peu comme ça. Ouais moi je suis un peu blanc comme un cul, allez on va se mettre comme ça. Je suis un peu fat, donc... Oh ils ont mis un fat un peu déjà de base. Je suis musclé dans les godasses, hein, je vais te dire. Voilà, j'ai un peu un gros bide, hein, voilà. Voilà, c'est un peu ma personne, c'est un peu la personne. Par contre, les... comment on appelle ces putains de godasses de merde là? Espèce de godasses de clochard là, non. Détail précis. Ouais, j'ai des trucs sur la gueule, mais ça se voit pas normalement. Donc, full bas les couilles. Ok, donc style. Go. Donc, coiffure de base. Voyons. Est-ce que je peux mettre ça? Putain, ça rame un peu. Non, j'ai les cheveux un peu plus courts quand même. Genre ça, peut-être. Ça pourrait le faire. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Si jamais tu te bastonnes dans la rue, remarque. Tu peux foutre des coups de disqueuse avec tes cheveux, quoi. C'est pas mal. Voilà, c'était ça. Bon, allez, on va garder ça. Cheveux, accessoires. Bah non, on s'en bat les couilles.
Bon bah il n'y a pas plus long. Bon, va... ouais, de toute façon c'est très bien comme ça. Il n'y a pas plus long, donc je peux pas, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. On est sur la bonne voie, dirons-nous. Option cheveux, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Dégage-moi ça. Par contre, je suis pas du tout rouquin, moitié... Bah, je suis plutôt noir, j'ai plutôt les cheveux noirs, quoi. Tête et oreille. Alors, je sais pas exactement comment on change la couleur de la... des trucs... D'accord, on peut être un vert en fait, on peut être vert. On va rester de base, mais c'est intéressant de le savoir quand même. Ok, donc expression. Alors j'ai pas trouvé comment changer la couleur, bon bah ça peut-être plus tard. Tête et oreille, voyons voir. Ça clairement, je vais te dire... la gueule du bordel, vas-y... Oh la vache. Putain mais le tarin qui se mange l'autre. Alors attends, ça c'est quoi ça? Je sais pas. Parce que j'aimerais bien me fringuer un peu sympa, tu vois. Parce que là l'espèce de truc, on dirait un clodo finalement. Alors tu sais, on dirait un manifestant de nuit debout le bordel, tu vois. Alors moi j'aime bien les trucs à rayures. J'aime bien les trucs à rayures. Parce que ça me grossit, tu vois. Ah, regarde-moi. Oh là là là. Ah, je peux peut-être pas rester comme ça, non. C'est un peu dégueulasse. Hein. Le problème, c'est que c'est mon bide, en fait, qui est compliqué. Comment je cache mon bide, d'habitude? Putain, attends. Eh, c'est pas mal, ça. Allez, un truc blanc. Ah. Je pensais pas qu'ils allaient lui mettre un truc autour du cou, quoi. Allez, celui-là, il me convient très bien. Ensuite, bas. Ah oui, on peut choisir la tenue directement. Bon, on va mettre un jean, un truc un peu comme ça. Oh non, c'est... Putain, mais il y a... regardez ce qu'il a sur le cul, là. C'est dégueulasse. Vas-y, un truc comme ça, plutôt, peut-être. Bon, de toute façon, c'est moche de base, hein. Voilà, on va se laisser comme ça. Tant pis. Alors, vêtements. Quotidien. Ah mais voilà, c'est ça, quotidien, voilà, ok. Habillé, ah bah voilà, c'est là qu'on peut mettre la tenue de base. Vas-y, on va pas se faire chier, on va choisir la tenue que j'avais prise. Celle-là, voilà, ça c'est très bien. Pour une tenue habillée, pyjama, bon, on va se foutre juste un froc. Vas-y, on va se mettre un slibard. Oh putain, c'est tellement génial. Ah, vas-y, on va rester comme ça. Sport. Pff, bah, j'en fais pas, donc... barre les couilles, mais bon. Ouais, voilà. Le haut est moche, quand même. Attends, on va essayer de trouver un haut. Voilà, ça. Allez, voilà, c'est sympa. Voilà. Maillot de bain. Un truc comme ça, non? Attends, pourquoi il a un... une chaîne, là? On dirait un kéké, là. Dégage-moi ça. Accessoire. Mais what? Mais je veux pas ça, moi. C'est la chaîne dégueu que tu m'as mis, là, espèce de clasheur. What the hell? Ah oui, d'accord. Voilà. On est bon. Nickel. Alors, par contre, on a un problème. On n'a toujours pas trouvé comment changer la couleur des cheveux, en fait. Je viens de me rendre compte qu'en bas, en fait, nous avions un couleur avec X... Je suis vraiment con. Voilà. C'est pas dingue, mais bon. Mais regardez, le marron, ça fait déjà tout de suite rouge, quoi. C'est moche. Ça ressort rouge. Oh là là là. Non. Bon, bah, on va rester comme ça. Allez. C'est très bien. Donc, c'est moi. Hein. Voilà. Bon, là, en plus, je reste en maillot de bain. C'est magnifique. On va créer une meuf, évidemment. On va essayer de créer une page. Ça va être très, très chaud, les gars. Alors, déjà, non. Déjà, pas un mec, parce que, bon... J'aime bien être sympa, mais je suis pas pédé, hein. Donc, base, on va mettre une gonze, déjà. Qui, évidemment... Alors, pour des questions d'anonymat, on va l'appeler... Au lieu de l'appeler Ellen Page, nous allons l'appeler Ellen Book. Comme ça, on n'a rien vu. Qu'est-ce qui se passe? On n'a rien vu. Donc, évidemment, c'est une femme. Enfin, quoique certains pourraient se poser des questions. Et, évidemment, Ellen Page, c'est un bambin. Voilà. Bon allez, sans déconner, on va faire jeune adulte. On va la faire petite si c'est possible. Bah, par contre là, non, on dirait à moitié une pute le bordel. Alors attends voir.
Coiffure de base. Bon, bah de toute façon, c'est pas compliqué, hein. Je crois qu'on va passer toute la vidéo sur la création de perso, c'est dingue. Un truc comme ça. Voilà, ça ressemble pas à des masses, mais bas les couilles. Cheveux accessoires. Mais non, qu'est-ce que je branle? Oula, malheureux, voilà. Mais c'est à moitié une Nyakwe, le bordel. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Qu'est-ce qu'ils me font, ces cons? Voilà, blanche comme un cul. Toute fine, là. Toutes ses causses. Allez, un peu comme ça. On peut pas faire de taille, par contre, c'est débile, quoi. J'aurais bien aimé changer la taille, quoi. Parce que là, elle est grande. Elle fait la même taille que moi, c'est débile. Pas mettre de maquillage, hein, surtout pas, hein, les enfants. C'est nul. C'est pas intéressant, le maquillage, ok? Ça sert à rien. Si vous êtes moche, vous mettez du maquillage, ça change rien. Vous serez toujours moche. En vous, ok? Donc, restez-les. vêtements. Allez, quotidien. Quotidien! Alors, on va essayer de retrouver la même dégaine que Juno, ça va être compliqué, parce que trouver une jupe par-dessus un jean, ça va être de la merde. Ah, ça, c'est pas mal. C'est un peu de Juno, ça. Vite fait, quoi. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Bas, on va pas la laisser en tepu, hein. Enfin, en mini-shirt. On va essayer de trouver un jean, un truc à la con. C'est marrant, mais les... Un truc comme ça. Elle est dégueulasse quand même. J'ai fait vraiment une radasse. Des baskets, un truc à la con, rien à foutre, voilà. Allez, des converses, pareil. Ok, nickel. Pas d'accessoires, on s'en tape. Habillé, tenue habillée. On va mettre... on va essayer de trouver un petit costard. Petit costard sympa. Parce que les trucs comme ça, là, je suis pas fan. Évidemment, il y a que des robes là-dedans, putain. Ah voilà, un truc un peu comme As, c'est sympa ça. Ouais, dégueulasse, mais bon. Ok, j'ai réussi à retrouver mon perso, c'est très bien. Enfin, je l'ai plus ou moins refait, hein, faut quand même le dire. Par contre, du coup, il y a un truc qui me gêne, que j'avais pas changé ici. C'était les yeux, voilà. J'avais pas changé la couleur. Moi, j'ai les yeux bleus. Ça, c'est un bleu genre comme As. On s'en bat les couilles, voilà, c'est très bien. Voilà, donc nous avons moi et Ellen Page, donc on est dégueulasse, hein, faut quand même le dire. Bref, on accepte le foyer, c'est parti! Vas-y, viens, viens, viens au manger au foyer. Traits de caractère, votre sim peut avoir plus de traits de caractère. Bah vas-y, on va lui balancer ambitieux, amoureux de la nature, j'aime beaucoup la nature, j'adore la nature, hein. Au moins en faisant ça, je ne dérange pas la bête, je suis un artiste. Je fais des baisers divins. Et le dernier, vas-y, on va mettre un truc à la con. Genre, charismatique. Eh ouais, mon poste. Abledo, ouais, ferme ta gueule. C'est bon, alors? Soit à long terme. Ouais, bah les couilles. Ok, moi je veux ça. C'est bon. Ah, faut choisir un souhait. Des mots et des doigts en or. Maîtriser la compétence charisme, maîtriser la compétence guitare. Ça, c'est très bien, ça. Allez, hop, c'est parti. Et donc... Ellen Book, on va lui faire quoi? Alors, elle est amicale, elle est courageuse, pourquoi pas. Elle est réticente à s'engager, pourquoi pas, bienveillante. Elle a le sens de l'humour, et bah c'est très bien. Et son souhait à long terme, carrière médicale, non. Élever 4 enfants, non. Atteindre le niveau 10 de compétences différentes, voilà, ça veut rien dire. On prend ça, nom du foyer, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va se mettre colocataire, accepter. Comme ça, on va essayer de la pécho. C'est parti. On va se lancer. Fond du foyer, 18 000. 6 dollars. Je sais pas exactement ce que c'est. Alors là, faut faire quoi? Faut choisir son foyer? Moi, je veux ça. Ah non, faut aller là-bas? Ah, d'accord, ok. En fait, je peux acheter que ça. Hein. Ah, mais en fait, c'est genre l'histoire, en fait. C'est un mode histoire, en gros. Ah non, non, non. Ah, attendez. On a d'autres baraques. Il y en a deux, en fait. On a soit un quartier ici. Adorable foyer. Une chambre, une salle de bain. Mais on est en coloc, hein. On n'est pas en couple, mon pote. Donc, c'est peut-être pas cool. 3 chambres. Un peu plus cher, celui-là. On va prendre celui-ci. Et on va le prendre meublé. C'est parti.
Alors, j'ai jamais joué aux Sims légitimement. C'est-à-dire que moi, c'était toujours... je lançais la console de code et Clapocius. Clapocius, alors ça, c'était pour la version craquée, évidemment, sur les Sims 1, je parle. Hein. Clapocius, ça te mettait de la thune. Et après, tu faisais point d'exclamation, point virgule. Et tu faisais entrer, ça répétait le code. Et là, t'avais trop de fric. Ou alors, la version de base, c'était Rosebud. Voilà, je me rappelle encore des codes. La chose de base, évidemment, qui est très importante quand on commence une nouvelle vie, c'est préparer un bon repas. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Trouver une carrière. Plus tard. Je veux vivre avec le RSA. Pour l'instant, je m'en bats les couilles. Je vais préparer un excellent repas pour Hélène. Servir ce plat. Manger ce plat. Prendre un repas rapide. Non. Préparer, mon pote. Attends. La cuisinière, on va prendre. Manger ce plat. Servir ce plat. Voilà. On va faire des gaufres. On va lui faire des gaufres. Allez, Hector. Fais-nous des belles gaufres. Alors, est-ce qu'il va prendre les bons ingrédients, mon Clasher? Parce que... Qu'est-ce qu'il prend? Oh putain, attendez. Oh, la caméra, elle est dans les godasses. Ok, il a l'air de bien gérer. Bon, théoriquement, les gaufres, on n'a pas besoin de la gazinière. Hein. Oh, est-ce qu'on a un gaufrier? Ça, c'est la question. Comment on fait? Votre sim cherche à apprendre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? Apprendre la compétence charisme. C'est un souhait. Prenons ce souhait. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde, Hélène? Les super nanas? Elle trouve ça génial, en tout cas, j'ai l'impression. C'est vraiment la meilleure chose qu'elle ait vue aujourd'hui dans sa vie. Alors, je suis en train de faire des gaufres. C'est très bien. En attendant, Hélène... Nous allons, Hélène, je vais te sélectionner comme on fait. Non, j'aimerais sélectionner Hélène. Je sais pas comment on fait pour sélectionner un autre personnage. Ah, c'est là, j'ai déjà, en fait, le gars. Ah, Y, peut-être. Voilà, ok. Y, donc Hélène, évidemment, la femme va aller travailler. C'est très important. On va prendre le journal. Et on va trouver un travail. J'ai eu un problème, le jeu a bugué, donc j'ai dû relancer la console. Malheureusement, j'ai dû tout refaire, puisque je n'avais pas sauvegardé. Quel gros con que je suis, tu vois. Donc, nous retrouvons donc notre ami Hector, qui fait toujours des gaufres. Alors, excusez-moi si la gueule et les habits ne sont pas exactement pareils, mais bon, j'ai essayé de faire à peu près la même merde. Et nous avons Hélène, qui regarde la télé. Voilà. Et donc, bah, il n'y a toujours pas le journal. Ah, voilà. L'enfant du journal, Paperboy. Voilà. Et donc, on va aller demander à Hélène, évidemment, de trouver un travail, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Est-ce que le gamin va se barrer ou il va rester devant ce con? Chassé. Demander de passe en sa compagnie. Ah, du temps en sa compagnie. Discuter, inviter à rentrer. Tommy Fong. Ouais, moitié noix, le bordel. Bon voilà, il va se barrer, bah les couilles. Hop, donc moi, je fais des gaufres au four, d'accord. Je pense que ça se fait, mais c'est très bizarre. Je crois que j'ai jamais mangé de gaufres au four. Pour moi, qu'est-ce qui bloque comme ça? Attendez, je suis en train de pas comprendre ce qui se passe. Alors, oula, emploi disponible. Alors, on avait pris quoi? Ah, on a plus ce qu'on avait pris. On peut faire livre... Ah, journalisme, livreuse de journaux. Attention, donc c'est pas journaliste genre Alain Soral, tu vois. Allez, on va faire ça. Voilà, donc c'est dommage, on a plus le défi à la con, mais... Votre sim a gagné une nouvelle tenue professionnelle. Souhaitez-vous entrer dans créer un sim pour récupérer votre nouvelle tenue maintenant? Si vous ne faites pas, votre sim portera des... Oui, vas-y, on va faire ça. On va prendre notre nouvelle tenue maintenant, ça va être sympa. Donc j'ai toujours ma bière, par contre, quand j'ai commencé à tourner, il était 18h, là il est 21h. Voilà, donc bah, je l'ai pas mis au frais comme un clasher, parce que j'ai été faire bouffer et j'ai pas fait gaffe. Donc à mon avis... Ça va. Ah, pas mal. Par contre, les boucles d'oreilles, évidemment, c'est à la grenade. Automatiquement... On peut pas virer? Non. Par contre, attends, c'est normal que sa nouvelle tenue, ça lui coupe les cheveux. Marrant, mais la musique, vous entendez?
On a l'impression que c'est les musiques de vlog gratos que tu sais que YouTube fournit pour les vidéos vlog pourries. Genre, ah, aujourd'hui je m'en vais à Carrefour. Et du coup, t'as une musique comme ça de vlog. Voilà, c'est complètement à chier. Bref, est-ce que l'autre con a fini ses gaufres là? Putain, il est vraiment bon à rien. Ah, ça y est, attends voir. Ah, regarde, bon, attends. En attendant, on va proposer... Ah bah, j'allais dire, on va lui proposer à elle de regarder la télé. Par contre, c'est quoi cette télé à l'ancienne, quoi? Putain, mais la vache, le machin. Est-ce qu'on aurait une bibliothèque? Non, je pense que ce serait pas mal à acheter, ça. Une bibliothèque. Alors, attendez. Ah, tiens, on n'avait pas vu un peu les trucs ici. Oh, il a fait cramer... Attends. Ah, il a tout fait cramer, ce clasher. Non, mais tu vas pas servir ça, hein, Jean-Jean. C'est hors de question. Attends, on va mettre ça à la benne. Gouffre. Mettre dans l'inventaire, nettoyer. Ça dégage, espèce de con. Donc, on va essayer d'acheter des trucs. Je regarde un petit peu ce qu'on a. Parce que j'avais pas tout vu. Aménagement. On s'en fout, construction, achat. Alors, achat, qu'est-ce qu'on a? Plomberie, appareil électroménager, non, éclairage, confort. Qu'est-ce qu'on a par exemple dans la salle de bain? Je vais regarder un peu. On a une baignoire déjà, donc ça pour le confort c'est un plus. En tout cas dans le premier sim c'était un plus. Lavabo, chiotte, ok, au calme. Je vendrais bien ça. Vendre article. Par contre attendez. Non. Ça on va le laisser là. Je vais prendre ça plutôt, et ça on va le vendre. Hop, et on va ouvrir le catalogue et on va acheter un lit de place pour la meuf. Parce que bon, ça craint quand même. Confort, lit, voilà. On va prendre un lit de place standard, 450 balles, il nous reste 2300, c'est pas dingue, hein. Mais on va prendre quand même, on va lui acheter un lit. Ah, on a plusieurs coloris. Et bah allez, un rouge, allez. Hop. Putain, ça lag un peu. On va mettre ça ici. Voilà. Nickel. Donc là, comme ça, elle sera très contente. Ensuite, donc une bibliothèque, j'ai dit. J'aime bien la musique. Elle est cool. Décor, rangement, je crois, non? Bibliothèque. Ouais, c'est parfait. Nickel. Ah, une grande comme ça, c'est pas mal. Hein. Ah, ou comme ça, elle est sympa celle-là, tiens. Allez. En coloris, on va prendre en. Ouais, en orange. Allez. Alors, par contre, où est-ce qu'on va pouvoir caler ça? Eh bah, juste ici, tiens. On va mettre ça ici. Bon, il va pouvoir apprendre à cuisiner, ce clasher. Parce qu'il faut pas déconner. Ça lag quand même pas mal, hein. Le jeu est... J'ai l'impression que le jeu est mal optimisé pour la console, ou c'est moi qui... Parce que c'est pas non plus un jeu de psychopathe, hein, faut arrêter de déconner. Je peux accélérer le temps. En faisant comme ça, d'accord. Ok. Pour revenir, je fais ça, d'accord. On va rester en temps normal pour le moment. Alors, s'il y a une meuf qui est là, tiens, on va proposer à la meuf d'aller l'accueillir. Présentation amicale. Allez, on va commencer à être sympa. Ouh, il y a de la petite zouz qui arrive là, c'est pas mal ça. Voir un peu. Attends. Oh, t'as me crache à la gueule, c'est quoi? Oui, non mais c'est bon, hey, on va arrêter les tutos à la con parce que ça commence à... Pénélope pense que Hélène se sent bien. Invité à entrer, peut-être pas. Elle, on va lui dire... amical. Discuter, faire connaissance, tiens. Faire connaissance, c'est pas mal. Moi, je suis en train d'apprendre à faire de la cuisine, donc full bas les couilles, hein. 11h du matin, il est 11h50, donc midi. C'est le moment de réussir à faire quelque chose au niveau de la bouffe, Jean-Jean. Putain. Pénélope voit que Hélène s'ennuie. Ah. Alors, Hélène Book, on va lui proposer... Pardon. Pénélope, on va lui proposer... qu'est-ce qu'on pourrait lui demander à celle-là? On peut l'inviter à entrer. Bah elle est moche hein, quand même, elle a une sale gueule, mais enfin bon, t'as vu la tronche que j'ai moi. Spécial, sens de l'humour, tiens, on va faire des blagues. Imiter une célébrité, tiens, qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Oui, oui, ta gueule. Alors. Voilà, c'est très drôle. Et l'autre, elle attend comme une gourdasse. Alors, du coup, Hélène, on va lui proposer à elle, évier squat, non, bibliothèque. Qu'est-ce qu'on va lui proposer, Hélène? Logique, cavalier contre fou. Ah. Peut-être à être intelligente, tiens. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que c'est que ces bonhommes en bas, regardez. En bas, on a une espèce de vieux dégueulasse avec une espèce de moustache et des lunettes de soleil. Ça n'a aucun sens. On va lui proposer de faire à bouffer, du coup. Servir ce plat. On peut faire des pancakes. Ok. Allez, faisons des pancakes. Par contre, lui, il veut vraiment pas faire des pancakes. Hein. Ah, il galère un peu, ce clasher. Alors, attends, où est-ce qu'elle a mis le journal, l'autre conne? Parce que du coup, j'aimerais bien... essayer de trouver un taf pour mon bonhomme, pour mon mec, mon gars. Sauf qu'il n'y a pas de journal. Elle l'a peut-être remis dans la boîte aux lettres. Non. Ok, elle a dû le jeter. On peut aller chez les voisins. Ah, mais what, on a carrément un quartier. Écoutez, je découvre les Sims 3. Hein. J'ai très peu joué. Je me souvenais plus qu'on avait un quartier comme ça. Hein. Ah ouais, pas mal. On a une petite fermette. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Peut-être on peut acheter des trucs et tout. C'est excellent, ça. On va lui demander de faire des macaronis au fromage. Et du coup, on va lui demander d'arrêter de lire. Voilà. Parce que bon, faut peut-être qu'il fasse à bouffer. Faut arrêter les conneries. Hélène, on va lui demander... Il est 17h. Hélène, on va lui demander... Est-ce qu'elle a XP en... On va attendre qu'elle monte à fond en machin truc. Et en intelligence. Et puis tiens, on va aller la faire à l'épicer, peut-être. Où est-ce qu'on peut voir les envies de nos persos? Comment ils sont, etc. Ah, voilà. Par contre, attendez, le LB ne marche pas, en fait. Je m'en rends compte. Ouais. Bon, faudrait que je change de manette pour la prochaine fois, si je refais des vidéos sur Xbox, évidemment. Hygiène, énergie, vessie. Voilà. Donc ça, tu voyez. Latrine. On va lui demander d'aller pisser, ce qui peut être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plat, on va le servir. Macaroni. Prendre un bol. Ah, attends, what? Attends. Non, c'est pas ça. Ah non, j'étais sur Hélène. Putain, alors attends. Ok, il faut que... Voilà. Ok, je prends mon perso. On prend pas un bol, Jean-Jean. Ce qu'on va faire, c'est convier, je sais pas quoi, là. Convier le foyer au repas. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, du coup, il va faire... Hey, venez, viens manger mes super macaronis au fromage. C'est des nouilles avec du fromage... en sachet, là. L'autre, elle se fend la gueule, elle est complètement possédée. Elle se fout peut-être de ma gueule, hein, je sais pas. Est-ce que on peut, genre, en cliquant là... macaroni au fromage. Non. Attendez, j'aimerais bien, en fait, genre, un truc du style... Non, je sais pas. Un truc du style manger avec Jean-Jean. Tu vois, il n'y a pas ça, hein. Cuisiner feu doux. Prendre un bol. Voilà. Et donc, moi, je vais faire quoi, là? Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Lire quelque chose. Non, tu vas pas lire quelque chose, Jean-Jean. On n'a pas d'ordi. Malheureusement, on n'a pas d'ordinateur, donc je vais pas pouvoir... je vais pas pouvoir faire un truc comme ça. Se lancer dans la carrière politique. Ok. Donc, ce qui serait cool, c'est que je trouve un taf de politicien. Juste avant, on va nettoyer ce petit bol-là, parce que c'est pas possible de laisser ça. Nettoyer, Jean-Jean. Allez, t'arrêtes, tu reposes ton bouquin. C'est pas le moment de... Pas le moment de lire. Tu me nettoies ce petit bol de macaroni au fromage. Et tu vas peut-être commencer à un peu dragouiller, là. Ah, je peux pas lui parler? Pourquoi? Peut-être parce qu'elle fait un truc, déjà. C'est possible.
comprends rien du tout. Vas-y, romantique, on peut pas faire un truc. Complimenter l'apparence. Adaluna. Ok, vas-y. Ah, on a commencé tranquillement. Ouais. Putain, mais il se pécho super vite dans les Sims en vrai. Vas-y, on va la complimenter aussi. ...21h50. Ça sent la schneck, là, à mon avis, ça va ken dans pas longtemps. Hein. Crois-moi bien que... Alors... Non, sur la go, on va lui dire... Technique de drague. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique de drague? Baiser divin. Oh putain, vas-y, on va faire ça. Attends, what? Vas-y, on va lui faire un baiser divin. On va lui faire un baiser divin direct. Ah non, elle veut pas. Elle préfère aller dormir. Ah, je viens de me bouffer un râteau. Allez, on va aller dormir. Allez. Allez, loup, nid, bleu, métal. Dormir. On y va, évidemment. Ok. Ça va être la fin. Par contre, est-ce qu'on peut éteindre la lumière, en fait? On va se coucher. Je crois pas, hein. Ah, si, attendez. Non, attendez. Ah non, ça s'éteint tout seul, en fait, je suis con. Ok. Ok, donc là, on est plus sur le délire de la fin. Pour moi, donc ça m'étonne pas, hein. Et pour la meuf, non, c'est plus l'hygiène. C'est une crasseuse, quoi. Donc, moi, ça va, en vrai. Attends. Moi, ça va, je suis pas trop crasseux. Ah, si, je pue la merde, en fait. Ouais, non, si, ouais. Alors, environ une heure. Ah, fuck. Donc, Hélène, eh ben, elle se lève automatiquement. Très bien. Donc, Hélène, prendre un repas rapide, céréales. On se dépêche. On se dépêche, Hélène. Juste après, on va se laver. Ensuite, utiliser les chiottes. Ouais, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de niaiser. Donc, Hélène, on arrête tout ça et on va bosser. Ah, mais elle se met direct comme ça. Ah, en fait, elle n'a pas besoin de se changer ou je sais pas quoi. Votre Sims peut travailler et passer le temps de différentes manières. Votre Sims peut travailler et passer le temps de différentes manières à l'aide des options d'action. Fort bien. Donc, moi, je suis un chômeur. Ça déchire. Et je mets des films en noir et blanc. Donc, je te propose. On va chercher un boulot. Juste avant, on va quand même se laver. Parce qu'on recherche pas un boulot le cul à l'air et le cul sale, hein, surtout. Parce que du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que si tu fais le boulot... Attends, on va lui faire le lit. Attends, il y avait écrit quoi? Il y avait écrit dormir dans le lit d'Hélène, je crois. C'est-à-dire que ça, le jeu a considéré que c'était son lit, en fait. Ce qui est plutôt rigolo. On va nettoyer le bol à merde, là, parce que bah, du coup, ça craint. On aurait dû le mettre de côté, en fait. J'ai pas pensé. Hop, le livre, les céréales, nettoyer, le livre. Le mec, c'est une vraie fan de ménage, quoi. Où est Sonia? Ranger. Voilà, la fin. J'ai la dalle. On va se prendre un truc à bouffer. Peut-être préparer un truc. D'avoir un plan de travail. Ah, peut-être parce que c'est sale ici et que je peux pas bosser, en fait. Ok, d'accord. Donc, y a aucun problème, Jean-Jean. Par contre, le mec, il va passer 2 heures dans le bain ou comment ça se passe? Facture. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, on a reçu des factures, les gars. Ça va être compliqué. Mais il reste combien de temps dans le bain? Ça fait 1 heure. Ok, ça roule, Jean-Jean. Allez, fais tout ce qu'il faut. Payer les factures. Très important. Est-ce qu'on a le journal? À quelle heure arrive le journal, s'il vous plaît? Si j'ai moyen de trouver un travail. Tiens, le v'là, c'est pas lui, là? Chinchong, là? Ah, si, c'est lui, je suis sûr. C'est lui, ce clasher. On a une boîte aux lettres et le mec, il fout ça par terre, quoi. Ça n'a quand même aucun sens. Trouver un travail. Ok, ça marche. On va faire ça. D'accord, donc là, ok, il paye les factures. Alors là, mon pote, tu cherches un boulot. Tu te mines le cul. Pas déconner à rester à glander à rien foutre, là. C'est complètement débile, ça.
Donc scientifique politique, eh ben, on va faire politique du coup. Ah, rush de nuit, de nouvelles idées d'articles arrivent par téléphone ou email. Il n'y a pas assez de journalistes pour mener les enquêtes écrites, écrire les articles et les corriger. Vos collègues adoraient que vous restiez tard pour les aider. Bien sûr, si ça peut gratter un peu de fric. Donc j'ai trouvé un boulot, je vais aller pisser. Pas du tout, les latrines, utiliser, voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va se bouffer un truc. Salade d'automne, tiens. Ouh, sandwich au fromage fondu. Pas mal ça. Allez, on va faire ça. Hop là, fais-toi bouffer. Oui, t'as la dalle, je sais. T'es un petit peu le même perso que moi. Hein. Donc je connais un petit peu tes envies. Bouffer, dormir. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose. Nickel. Donc ensuite de ça, tu vas me nettoyer ça. Nettoyer. Ah, il faut peut-être... Attendez, pourquoi je peux pas le nettoyer? Ah, trop fin. Ah oui, d'accord. Non, mais je voulais le faire après. Hein. T'inquiète. Hein. Pas non plus pressé. On va peut-être lire. Non, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Putain, le plan de travail. Ah non, je croyais que c'était des traces de merde. Hop, nettoyer. Ensuite, on va nettoyer cette merde parce que le mec il a bossé. Le mec il a cuisiné comme un sac de chiasse. Ensuite, tu vas lire la cuisine encore. Tout descend, mais tranquillement. L'amusement, c'est un peu dans les chaussettes. Donc s'il lit le bouquin, je pense qu'il va s'amuser. Non. Non. Non, ça monte pas. Bon, c'est vrai que lire un bouquin de cuisine, ça doit pas être non plus génial. Ça doit pas être le truc qui te fait kiffer la vie, vraiment, tu vois. Mais j'ai peur, en fait, qu'il arrête de lire. Donc, on va attendre qu'il monte encore la jauge, là. Et ensuite, on lui fera mater une merde à la télé. Histoire qu'il s'amuse. Il est 15h20, donc tout va bien. Ah si, non, on peut s'entraîner. Attends. Ouais, mais en termes d'amusement, ça doit pas être dingue. Ah oui, donc en fait, l'espèce de truc là, c'est donc les fameux défis qu'il faut réaliser. Organiser une fête, aller au spa urbain. Donc c'est pas des trucs... Apprendre la compétence charisme. Donc ça, je sais pas comment ça marche. Je pense que c'est peut-être en lisant ou alors en draguant des gens, en parlant avec des gens. C'est un peu triste de voir que le mec est obligé de mater la télé pour s'amuser. Bon, enfin bon, c'est comme ça, c'est les Sims. Hein. C'est un petit peu la vie... Des gens qui ont une vie un peu caca, mais bon, c'est comme ça. Le mec a l'air de kiffer en vrai. Il fait des gueules, genre. Alors, on est dans le truc achat, confort, surface, divertissement, peut-être. Ça peut être sympa, ça. Ah si, on avait le télescope. Est-ce qu'on peut... À mon avis, non. 600 balles. Eh, c'est pas... On a de une gratte. Ça peut être bien, ça. Je crois que je vais prendre en noir comme ça. Et on va essayer de le poser. Ah, mais il faut des sièges. Pour être ça. Mais du coup, il faut que j'achète des petits tabourets avec. Confort. Siège de salon. Hop, voilà. On va rester là-dessus. Ouvrir le catalogue. Je pense que c'est cool. Ouais, je pense que c'est très bien comme ça. On retourne au mode vie. Par contre, Jean-Jean, tu vas mater la télé toute ta vie ou comment ça se passe? Putain, le mec, la tristesse de la vie de merde, quoi. Eh, le film est fini, là. C'est bon, il y a un générique. Hein. Non, mais faut qu'il arrête les conneries, là. Il va devenir possédé. Allez, va faire à bouffer, espèce de con. Bon, elle est où, la go, là? Oui, ta gueule. J'imagine que c'est pour me dire que je peux aller au resto, ou je peux apprendre des trucs pour cuisiner des trucs plus sympas et tout. Voilà, donc... la meuf, elle est censée rester tard, mais... Moi, j'aurais bien aimé continuer la relation, le début de la relation. Augmenter un petit peu les chances de la pécho, tu vois. De pouvoir aller dans le lit d'Hélène pour la ken, tu vois, le fameux lit rouge, là. Je sais pas si ça peut être possible, je ne sais point. Par contre, le voisinage, il est vraiment, vraiment aux fraises, quoi. Il se passe rien. C'est pour ça qu'en fait, les Sims sans code, je trouve ça un peu relou, parce que bah, on se fait chier, tout simplement. Attends, je vais peut-être pas... Non, attends, on va pas faire ça tout de suite. On va attendre qu'il ait fini de manger. Je sais que t'as envie de dormir, ne t'inquiète pas. Moi-même, je suis un petit peu fatigué. Oh, il le fait lui-même.
Ah, revoilà notre pote. Donc, on peut aller la saluer peut-être, non? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? What? Ah oui, elle va direct dormir jusqu'à 4h du mat. Ok, d'accord. Donc la relation qu'on a là, c'est un peu de la merde. Allez, allez, va au lit double, Jean-Jean, et puis dors et arrête de me gonfler. Ok, donc ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les coms si vous voulez que je continue à en faire dessus. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire. On essaiera peut-être d'aller en ville, d'aller s'amuser et tout. Je ne sais pas. Étant donné que mes deux personnages ont un boulot, du coup, maintenant, bah ça va être vachement vide et on va vachement se faire chier. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne les Sims, j'essaierai de voir ça, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les coms, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !